Pensionnaires de R1, les joueurs du FC Saint-Leu 95 défieront samedi le Red Star, actuel 4e du National, pour le compte du 5e tour de la Coupe de France. Concentrés sur le championnat, les Valdoisiens auront néanmoins à cœur de bien figurer, voire de créer l'exploit face au mythique club de Saint-Ouen, entraîné par Habib Bey. Samedi, on reçoit ici à Saint-Leu la Nationale du Red Star. Voilà, c'est un événement pour la ville de Saint-Leu, pour le club de Saint-Leu. Nous, c'est quelque chose qu'on prend bien, que du positif. Voilà, on va essayer de faire le spectacle. C'est clair, c'est une belle affiche pour le club, pour la ville. Ça va amener du monde. C'est des beaux matchs, les matchs de Coupe de France, contre le National surtout. Donc voilà, on va essayer de faire le travail. Après, on fera deux groupes, un groupe là-bas et un groupe ici. On fera comme d'habitude, on tournera avec beaucoup, beaucoup d'intensité. En particulier, ouais, peut-être pour la ville et pour le niveau, pour la R1. Donc, c'est un match de coupe contre le National, un club mythique. Donc, on espère jouer notre chance à fond et puis voilà, espérer se qualifier. Donc c'est un très bon match à jouer pour nous et pour la ville. Pour moi, c'est pour le club, c'est pour les joueurs, c'est l'occasion pour certains de se faire voir. C'est là qu'on voit David battre Goliath. Le petit, c'est là qu'il y a tout est possible en fait. Tout le monde a sa chance, c'est un match de Coupe de France. Après, c'est vrai qu'ils partent avec une avance, je pense. Bon, rien à faire encore. Voilà, on a du retard, face au ballon, on a du retard, Youp. Bien joué, Youp, là, tout de suite. Allonge, change la couche. Non, jouer sans complexe surtout. Jouer sans complexe, puisqu'on a des jeunes et puis des anciens aussi qui ont eu à jouer cette compétition. Donc jouer sans complexe, jouer notre jeu et pas se prendre pour n'importe qui, respecter l'adversaire qui est le Red Star quand même. Donc on va essayer de faire notre maximum. Je suis content pour les joueurs, je suis content pour la ville, mais voilà, je suis conscient que c'est une nationale. Mais bon, ça reste la Coupe de France, quoi. C'est la coupe de tous les possibles, donc nous on va se donner, quoi qu'il arrive, on va se donner à 200%. Après il se passera ce qui se passera, c'est tout. J'ai déjà joué cette épreuve et puis voilà, j'ai déjà joué même une demi-finale, donc je pense que c'est des matchs où il faut jouer à fond, il faut profiter puisque ça n'arrive pas tout le temps qu'une R1 rencontre nationale, donc il faut profiter au maximum, surtout pour les jeunes et pour le club. Si on passe le tour, ça sera aussi magnifique. Mais en dehors de moi, les autres, quand vous touchez, vous le remplacez. Et avant de le toucher, je veux un changement de rythme. La folie. Ils vont mettre de la folie et on va mettre de la folie parce que on va rien calculer. Et puis voilà, il arrivera ce qu'il arrivera, c'est tout. De prendre ce match très au sérieux parce que voilà, ça ne se joue pas tous les jours. Et voilà, se lâcher et profiter du moment à fond, ne pas avoir de regrets. Allez, vous mettez du rythme. On travaille parce qu'on y croit. Ah non, je vais pas. Non, on y croit, il faut y croire. C'est déjà arrivé plusieurs fois dans l'histoire de la Coupe de France, justement. Même des divisions plus basses que la nôtre. Donc je vois pas pourquoi on n'y croirait pas. En tout cas, moi j'y crois. Je travaille pour. Tout est possible sur un match.